Autre histoire qui est malheureusement banale et qui est un petit peu compliquée, mais qui finalement prend une tournure dont on se souviendra toujours, c'est l'histoire de Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors Gilles, merci d'être avec nous. Vous avez des petits yeux, dites donc. Oh bah, les nuits sont courtes et on peut appeler ça des nuits. Ah, voilà, mais c'est normal parce que Aurore, votre petite fille, a 11 jours. Voilà, donc c'est normal. Vous en avez encore pour 2-3 mois, là. C'est sûr, on vous le dit. Aurore, Merci du elle est donc née spoiler. le 26 mars à la Garenne-Colombes et comme beaucoup de jeunes pères, vous n'avez pas pu assister à l'accouchement. Ça a été une très mauvaise surprise. Vous n'avez pas pu accompagner votre femme. Donc vous allez nous raconter comment vous avez quand même réussi à vivre cet accouchement puisque vous y étiez quand même de façon virtuelle. Alors on revient un petit peu en arrière. Dans la nuit du 25 au 26 mars, votre femme, Mine, commence à avoir des contractions. Vous filez à la maternité. Est-ce que vous avez pu rentrer quand même dans l'établissement? Alors, j'ai pu rentrer dans l'établissement, mais on m'a mis tout de suite dans une salle d'attente. Et ma femme, après, a pu continuer plus loin dans la maternité. Donc après, pendant 30 minutes, j'avais pas trop d'infos. J'ai juste la sage-femme qui faisait des allers-retours pour me tenir un peu au courant. Mais voilà, Et on vous j'étais a en expliqué, salle voilà. d'attente. Et on vous a expliqué à ce moment-là que vous ne pourriez pas rentrer dans la salle de travail. Alors, je le savais déjà un tout petit peu avant, je l'ai appris genre la veille. Donc déjà, j'avais eu le temps d'encaisser, même si j'étais pas encore bien prêt, on va dire. Oui, donc du coup, je savais que je la posais et que si jamais, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas sûr qu'elle devait rester, parce que les contractions étaient juste là, mais le col d'utérus n'était pas dilaté. Si jamais elle devait rester, effectivement, moi, je rentrais chez moi directement, quoi. Alors ce qu'il faut dire, Gilles, c'est que le travail a été quand même vachement long parce que elle a perdu les os à 4h30 du matin, c'est ça? Elle a eu la péridurale à 5h, mais elle est arrivée à dilatation qu'à 15h30. Est-ce que pendant toute cette période de travail, vous avez quand même été en contact avec elle? Est-ce qu'elle a pu vous insulter quand même un petit peu? Alors, bah à ce moment-là, vu qu'elle était sous péridurale, je pense que ça a été. De toute façon, ma maman, la péridurale, elle était très courageuse et objectivement, elle m'a vraiment impressionné. On était en call WhatsApp assez souvent. Je l'appelais toutes les 2 heures. Enfin, quand elle vous dit, bon, voilà, je vais dormir un peu. Voilà, j'allais essayer de dormir, mais on a pu s'appeler assez souvent quand même pour avoir effectivement un point. Mais après, oui, pendant l'accouchement, j'ai une sage-femme qui est venue exprès pour filmer avec son téléphone. Du coup, Donc vous à ce l'avez vécu moment-là, en direct. voilà, je l'ai vécu en direct, ouais. Du coup, j'ai même fait un petit montage avec un deuxième téléphone pour filmer le premier. Comme ça, j'ai pu avoir, j'ai gardé la vidéo, donc j'ai la vidéo chez moi. On va vous embaucher, Gilles, hein. Du coup voilà donc ouais là elle a pu un peu bon elle m'a pas trop insulté non plus parce qu'elle était concentrée sur la poussée mais oui j'ai pu l'encourager par la voix même si objectivement j'aurais préféré être là lui tenir la main quoi j'étais vraiment très frustré et elle était un peu Oui. inquiète quand même d'être toute seule quoi. Et alors, est-ce que vous avez quand même réussi à être ému? Comme, ça doit Ah être oui vraiment bah un bien mélange de sûr. sentiments. Mais oui, voilà, j'étais ému, mais en même temps, effectivement, enfin, je voyais quelque chose à l'écran, mais bon, je suis vraiment rendu compte que plus tard, j'avais enfin pu la voir pour de vrai, plusieurs jours après, mais oui, d'après la sage-femme qui regardait la vidéo en même temps, me dit, ah bah, votre mari, il a les grands yeux, il est tout sourire. Donc, oui, j'étais complètement ému. Alors, le pire, c'est que vous avez appris aussi que votre petite fille avait la jaunisse, qu'elle allait être séparée de vous encore 2 jours, ça a été transférée dans un autre hôpital, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, la maternité où on était ferme tout le mois d'avril pour Covid-19, parce qu'apparemment il y a des réquisitions des lits et des anesthésistes. Du coup, effectivement, le dimanche, on nous a dit bon, ben voilà. Surtout que ça a été un peu un ascenseur émotionnel, parce que le matin, on nous dit non, c'est bon, vous voulez récupérer votre femme et votre fille cet après-midi. Et une heure après, ma femme me dit bah en fait non, ils vont la transférer à Ermont parce qu'elle a la jaunisse et du coup, tu vas pas la voir pendant 2 jours de plus. Oh là là, Donc quel oui, horreur. c'est assez Horrible. dur. Dites-moi, là aujourd'hui que vous êtes réunis tous les trois, comment ça se passe la vie avec un nouveau-né dans cette période si bizarre? Est-ce que par exemple vous avez trouvé facilement un pédiatre pour la suivre? Non, ça a été plutôt difficile parce qu'on a fait un peu le tour sur Doctolib. À chaque fois, on se prenait des refus en disant que le pédiatre ne prenait pas de nouveaux patients. Il prenait que les enfants qui suivaient déjà. On en a trouvé un, c'est à Chatou, sachant qu'on habite Besançon, donc c'est plutôt assez loin. J'ai la sage-femme qui Ouais, est donc c'est passée con. hier, qui m'a donné des petits infos qui sont pas sur Internet, donc je vais essayer de contacter.
Et la PMI, quand je les ai appelés, déjà, il n'y a que la PMI d'Argenteuil qui est ouverte sur les 5 environnantes. Donc, ils sont complètement débordés. On dit, laissez tomber, on vous aura pas avant la fin du confinement. Ils ne sont Ouais, même pas sûrs après, quoi. c'est pas simple. Bon, Gilles, on vous embrasse tous les trois. On fait un gros baiser Aurore. Amine, qui a été héroïque, qui a accouché toute seule, c'est vraiment pas facile. Et vous l'avez été tout autant. Et on vous embrasse bien fort tous les trois. Ça va Merci aller. beaucoup. Et Merci bon beaucoup. courage pour les nuits. Je crois que c'est ça le pire, en Merci. fait.